Salut tout le monde, nous revoici pour une petite vidéo de Savant Fou de Redstone. J'ai oublié le nom de la série. Pour vous montrer un petit système que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je travaillais dessus. Que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tutos. Mais je sais que... Je sais pas c'est qui le premier créateur de ce système. Il en a fait plein de façons différentes. Moi, je vais vous montrer de ma façon. Je vais vous l'expliquer différemment, de ma manière. Je vais pas l'expliquer comme les autres font. On va prendre le diamond. On va prendre du coal. On va prendre du fer. De l'or. Puis, disons, moi, du altar, de la stone, des pistons. Pour prouver que toute la merde va aller là. Ouais, là. Voilà. Nous, en attendant, je vais me mettre en créatif. On va aller... ouais. Là-bas. Là, je lag, désolé, j'ai des petits coups de freeze. Je vais vous montrer un autre petit système. Hop. Et donc, vous voyez, vous êtes dessus le coffre, vous laissez des choses, ben, vous mettez l'affaire. Mais exemple, c'est pas moi, vous mettez, c'est pas moi de l'obsidienne, sans faire exprès dans la poubelle. Ce système-là permet de arrêter. Tu peux ôter, exemple, oh, t'as fait une fausse touche, pendant un moment, tu peux la modifier, c'est une petite poubelle facile. Que lui j'ai vu par Steven qui s'appelle qui a fait un tuto sur ça, mais il a fait une vidéo sur ça, puis je trouvais ça quand même assez amusant. Puis j'ai dit comme j'ai compte à y être, faire une salle des coffres qui trie, pourquoi pas avoir une salle aussi qui jette les affaires aussi. C'est encore ça, c'est le but, c'est avec ça aussi. C'est ça, en attendant que ça va faire, je vais vous montrer un autre système que je vais faire une autre vidéo que je vais vouloir, que je vais vouloir, ah, là, que je vais vouloir mettre ce système-là avec ce système-là. Comme ça va être quand même simple, mais pas si difficile que ça. Le système se présente aussi simple que ça. Il est pas plus complexe que ça. Pour ça, je le montre dans cette vidéo-là maintenant que ça. Comme disons, vous pognez un coffre de minerais et vous pognez des lampes de gaz. Comme là, vous le mettez ici. Vous ne mettez pas tout de suite dessus la face, sinon il va partir. Vous le poussez. Bam. Et il va... Oups, là, il y a un petit problème. Des fois, c'est ce qui arrive. Faut pas que tu le pousses trop. Mais dans une autre map, je l'avais faite correctement. Tu avais juste à peine le pousser, là. Voilà. Donc, juste pour me faire bip, il va pas vouloir vous le montrer. Okay. On va mettre des larmes. Et on va... Au moins que le pousser. Oh là 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 là. Il va faire ici prêt, il va me faire ici prêt pour... Ben. Voilà. Bon, il a voulu. Vous voyez que là, ça, il apparaît de rien avoir comme système. Mais lui, en ce moment, il est en train de déverser. Dans ce coffre-là. Comme vous voyez, là, disons, moi, je pourrais partir. J'attendrai encore. Et disons, moi, c'est en train de miner, là. J'étais plein. J'envoie ce coffre-là. Le coffre s'en revient en surface. Il va juder et il revient dans la mine. Comme vous voyez que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Puis toutes les lampes de gaz qui sont rendues ici, dans ce coffre-là. C'est simple. Le système pour eux qui voudraient le refaire en leur système. Un petit conseil,
Comme vous voyez qu'il faut que, faudrait que ça soit pas si court comme ça. Il faudrait quand même que Minecart ait le temps de ralentir, mais pas trop le temps de ralentir pour arriver juste ici. C'est un bug de Minecraft, mais si le Minecart est comme entre cette rail-là et ce bloc-là, c'est comme sur cette rail-là, je vais vous montrer une autre priorité de... Je vais vous apprendre quelque chose dans ce tutoriel. Peut-être vous le saurez, mais peut-être vous le saurez pas. On va prendre une torche, voilà. Mais, une affaire que je peut-être demande de recevoir, comme ça, si vous l'allumez, il va partir. Mais si vous le mettez là, il va allumer, il va ne pas partir. Comme si vous voulez faire un système automatique, il faut que votre minecart arrive ici et qu'il part après. Comme là, il peut s'en aller. Donc, vous voyez, comme ici, c'est le hopper. Comme le minecart, il roule, il roule, il roule, il roule. Mais il est plutôt... il roule sur les trails. Puis à un moment donné, il arrive comme sur le bug un peu d'ici, comme genre... D'habitude, il peut être encore plus vers le haut, mais là, on peut pas le faire comme ça. Puis là, une fois que c'est fini, comme qu'ici, il y a un comparateur. Le comparateur émet du courant quand il y a des items qui passent là-dedans. C'est juste un comme ça qui va faire tout de suite ça et qui alimente ça. Vous voyez, c'est un système assez simple. Et ici, pendant ce temps-là, ça se tire, ça tire, ça tire, ça tire. Vous voyez qu'il nous reste plus grand-chose. Je vais même pour vous prouver, je vais ajouter d'autres choses dessus. Ça part quand même assez rapidement. Pour le moment, on attendra que ça continue. On va aller, je vais vous montrer le système là-bas, que j'ai déjà construit ici, que j'ai décortiqué. Ici, simple. La boucle. Une boucle de... comme ça. Je pourrais la faire comme ça aussi. Je viens d'y penser. Mais ça fonctionne aussi comme ça. Non. Il n'y a même pas assez de force. Si vous faites un système qu'il y a beaucoup de redstone qui passe... voilà. On a ça tire, voilà, ça tire, voilà. Voilà encore. Je l'ai mis dans un cactus. Ça fait pas psh, c'est facile à chercher. C'est pas une source de lave gaspillée juste pour faire ça. Mais vous pouvez l'utiliser aussi avec une source de lave. Puis non, je me suis trompé. C'est pas le système de Steven, ça. Je me suis trompé. Désolé. C'est le système de Hyper. Je me suis trompé. Steven n'avait fait un, mais d'une autre façon, avec un piston, la boucle était différente. Puis Hyper, il avait fait la même affaire, mais avec de la lave. Comme ici, vous mettez vos items. Comme que c'est un trapétier. Les items vont pas tout de suite, comme ça met du courant dans le hopper, comme le hopper, je paye pas l'affaire, il ne va pas tout de suite là. Je vais vous laisser quelques secondes pour mémoriser le schéma, je vais pas le reconstruire avec vous. C'est quand même assez simple. Un comparateur en mode division. Après, vous mettez un fil de redstone. Il y avait plein, il y avait une autre façon que j'avais faite, que je m'en souviens, je sais pas si là-bas on le voit. Ouais, on le voit, voilà. C'est, vous voyez que il n'y a pas de fil qui va ici, comme ça. Je sais pas si c'est un bug ou pas, mais je comprends pas comment ça, que ce bloc-là tire. Parce que ça, vous voyez que ça descend. Et ça monte, ça va monter jusqu'en haut. Mais, j'ai pas de fil ici, directement lié comme ça, là, ça fonctionnerait pas plus, mais ça fonctionne. Quand même, je me demande, c'est pas qu'à rapport... ici, à ce répéteur-là, qui donne du courant ou quelque chose comme ça. Et je viens de remarquer aussi qu'on n'est pas obligé de le mettre en mode division, on peut le mettre entre des deux. Ça va rien changer. Mais comme vous voyez, dans l'autre système, ça, je n'ai pas besoin. Mais ici, je l'ai besoin. Là, ça tire pas. Il me faut absolument, puis même quand je vais mettre ça ici, ça ne tire pas. Je me demande vraiment si c'est pas qu'à faire un bug d'orientation T ou que c'est un bug carrément de Minecraft. Je me demande, si vous le savez, dites-moi là dans les commentaires, je vais être plus savant. Comme ça, c'est le système de la poubelle. Passons au système de triage. Premièrement, il y a le système qui vide le premier coffre. Je l'ai fait quand même assez complexe parce que je voulais que ça soit dans une maison.
Mais j'aurais pu le faire directement par un hooper ici, par un coffre qui vide tout de suite dedans, ça. Comme ce système-là est pas obligatoire, tout en dépendant comment vous l'avez fait. Tout simplement, vous faites deux boucles. Comme ça, une boucle, dang, 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 dang. Une autre boucle, comme ça. Ici, ça permet les hoopers qui vident le coffre plus vite, qui tirent plus rapidement. Après, vous faites un tunnel d'eau. Là, je l'ai mis dehors, ici. Ici aussi. Et vous faites, pour que ça remplisse plus vite, puis vous n'aurez pas de problème, vous mettez de la glace. Ça va aller déjà plus vite. Aussi, mettez deux hoopers. Pas juste un, mais deux. En mettant deux hoopers, l'affaire qu'il fait, c'est que le premier dispenser, que je vais vous montrer tout de suite, mais moi, c'est des droppers. Le premier dropper-là se remplit plus rapidement. Comme il y a tout le temps, il va être tout le temps en train d'attirer cette attaque a fini de prier. Après, vous faites encore une autre boucle, juste une boucle, le seul. Comme ça, ta 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 ta. Et vous faites monter comme ça. Là, je vous l'explique, mais inquiétez-vous pas, je vais vous le reconstruire, vous l'expliquer l'ascenseur ici, puis je vais probablement en vous reconstruire. Hein. Après ici, le système de triage, qui est ici, que celui-là, je vais pas reconstruire avec vous, qui est quand même assez simple, mais que je vais expliquer tout de suite. Le système, il est quand même. Il faut juste faire une affaire très précise. C'est de mettre des hoopers tous alignés, tous les hoopers qui vont trier, alignés vers les comparateurs. Après, mettre plusieurs comparateurs, ils mettent ça comme ça. Vous mettez ensuite des repeaters sur rien. Et vous mettez des torches en dessous. Tout ça. Comment ça fonctionne? Ce hooper-là, il est comme bloqué, si on peut dire. Comment je peux expliquer ça? C'est un système de triage, carrément, qu'il faut vous mettre, que vous mettez 21 items quelconque qui ne passera jamais dans les hoopers. Comme ça, voilà. Et vous mettez l'item qui va passer, qui va se faire trier. Pour la preuve que ça fonctionne, chaque item qui va passer ici, vous mettez, je vais mettre une redstone, bang, elle s'en va ici. Qui s'en va ici automatiquement, mais qui s'en va, il va tout le temps rester un item dans ce dropper, mais hooper-là. Un diamond. Vous voyez, il n'y a jamais plusieurs minerais. Jusqu'ici, que rien, c'est normal, parce que ça, c'est le système de détritus. Si on regarde à l'intérieur, on regarde qu'il y a tout un redstone, du diamant, du lapis, de l'or, du fer, de l'émeraude, du charbon. Et de temps en temps, comme que je vous le dis, ça se peut que vous aurez du minerai non trié. Pourquoi? Parce que moi, mon système, vous l'aurez pu, vous pourrez le faire. Moi, je vous le conseillerais, si vous le faites, pour pas que ça vous fait, vous montez encore vos droppers, puis vous mettez un dropper qui tire directement là. Mais comme moi, mon dropper, il tire ici, comme l'item à hors-vol, comme ça, des fois, ça peut fucker. Comme je vous dis, ça peut fonctionner, mais comme vous voyez, ça n'a pas tout trié, parce qu'il y en a qui passent plus rapidement sur la soupçonne. Aussi important de mettre de la soupçonne ici. Voilà. Donc on va se passer ici. Je le fais quand même assez rapidement. Je n'ai pas trop le goût que l'épisode dure très longtemps. Comme ici, je l'ai décortiqué. Comme exemple, je mets mon item ici. Ça part. Ça part, ça part. Et c'est rendu là. Ça devrait. Je mets un stack. Et je le mets là. On n'entend pas les clics-clics-clics. Je trouve ça bizarre. Mais bon. Vous mettez un comparator. Avec mon accent très bon en anglais. Vous mettez une redstone, un repeater, un bloc, une redstone. Des fois, ça se peut que vous n'aurez pas besoin de remettre un repeater et une redstone. C'est tout le temps à tester. Après, vous mettez un autre repeater de l'autre bord. Et vous mettez un bloc solide. Une poudre de redstone, de la glowstone, comme ça. Vous mettez de la poudre de glowstone. Après ça, vous mettez un bloc solide quelconque, et vous mettez un repeater, que ce repeater-là va activer ces deux-là. Celui-là active celui-là, celui-là active ces deux-là, celui-là, là, celui-là, ces deux-là, et celui-là, celui-là. Comme ça, vous avez tout ici. Il y en a qui bloquent qu'à fois ici, la boucle n'est pas parfaite, mais
Comme je suis un gars de là-bas, je devrais avoir aucun minerai que rester poigné. Ah oui, je peux. Je pourrais comme que la boucle, il n'y a pas une boucle pour sac. Comme c'est ça qui arrive. La boucle attraque, comme, attire une impulsion, comme une impulsion ici, une impulsion ici. Comme déjà que lui te donne une autre impulsion, comme ça va. Ça peut arriver des fois, mais c'est pas trop grave. Vous avez ça rebalancer des items dedans. Puis c'est pas des items perdus. Je veux pas des minerais perdus. Pourquoi? Parce que c'est dans des droppers. Puis les droppers, vous faites refonctionner le système, vous le rerorez. Vous les revalez. Vous les aurez encore. C'est important de faire ce système-là comme ça. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que vous mettrez 5 stacks ici. De l'item qui se ferait trier par en haut. Plus 21e item, 21 items qui trierait en haut. Comme ça veut dire, exemple, pour faire le système avec le diamond, aurait fallu beaucoup. Comme l'heure de mon problème, pourquoi je vous dis, ça fait longtemps que je travaille sur le système. Pourquoi je dis ça? Première chose, parce que quand que je travaillais sur le système, je mettais des pousses d'arbres. Moi, il me restait tout le temps des pousses d'arbres dessus, comme là, je finissais le travail. Je mettais, comme un con, des pousses d'arbres dans le coffre. Mais il faut pas mettre une des pousses d'arbres, tant vous utilisez des pousses d'arbres en arrière de triage. Comme ça foirait tout le temps mon système de triage. Je dis, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Je suis allé regarder des tutoriels. Je suis regardé des tutoriels. Je dis, comment ça? Je fais tout le temps les mêmes affaires. Juste à temps de me rendre compte. Ça m'a pris au moins une semaine, un mois même peut-être, à me rendre compte que je mettais des saplings quand je faisais tester le système. Comme ça faisait foirer tout le système. Voilà pourquoi ça a pris du temps à voir ce tutoriel-là. Et en plus, vous avez deux tutoriels en un. Pourquoi? Parce que vous avez ce petit système-là que j'ai créé. Parce que je suis pas allé chercher sur Google ou sur YouTube pour faire ce système-là. Je suis vraiment allé dire, bon, un hopper là, ça a des charges, pas de timer, rien. C'est simple, compact. Je peux encore plus compactiser ça en mettant ça de même. 3 redstone d'économiser. Ben, quoi d'autre que je pourrais peut-être même... Mais non, là. Attends. Ouais, ça fonctionne. Voilà, je peux être compact comme ça aussi. Puis... Enfin, une autre question. Je me demande si... Ici. Non, ici ça fonctionne. Vous voyez, vous pouvez le faire de plusieurs façons, là, toutes différentes l'une des autres. Pour faire ce petit système-là, c'est très... Quand même assez facile à faire, il faut juste un comparateur, un hopper, un coffre, des rails. Puis un Minecraft coffre. Voilà. Comme si vous avez des questions à propos du système, vous voulez que je refasse un tutoriel sur un bout du parti, simplement, ça c'est le bout de la partie 1, partie 2, partie 3. Comme ça, vous avez des questions, dites-moi si c'est la partie 3 que vous voulez que je refasse ou je réexplique dans un tutoriel. La partie 2, la partie 1, ou si vous n'avez pas besoin, parce que j'ai pas tout, je vous ai même pas montré comment les construire, je vous l'ai montré comme ça. Vous voyez, ça fait des stop, arrêt, stop, arrêt, puis stop, et encore des arrêts, tout simplement. Comme c'est ça, comme ça va être tout pour cette vidéo de Savant Fou, ça va être la sixième vidéo, et aussi, ça va être... La 61e, c'est la 61e vidéo. Peut-être. Parce que j'ai une vidéo que je suis en train d'uploader à ce moment même, qui est Dévore l'aventure, que vous l'aurez peut-être pendant quand vous l'écoutez cet épisode-là. C'est la Dévore l'aventure, je vais faire la 61e. Comme ça devrait être à peu près la 61e vidéo. Comme déjà un gros, gros merci aux 31 abonnés qu'on a. Et aussi, il me semble qu'on a 2200 quelques vues. Merci à toutes ces vues-là et aux toutes à mes abonnés qui me suivent tout le temps. Même si des fois, j'ai quelques moments où j'ai pas de vidéo. Comme, c'est ça.
Ça va être tout pour cette petite vidéo. Comme moi je vous dis, ciao, à la prochaine.